C'est avec un grand plaisir que je prends la parole ici ce matin devant vous pour plusieurs raisons. La toute première, c'est que ce jour met fin à une situation, je vais le dire, que nous avons vécue dans notre pays qui n'a pas honoré l'opposition togolaise. Qui n'a pas du tout honoré l'opposition togolaise. Et nous ne souhaitons plus que des choses comme ça se reproduisent à l'avenir dans notre pays. La deuxième raison pour laquelle je suis heureux, c'est que j'ai vu certaines personnalités ici qui m'ont rassuré, dont la présence m'a rassuré. C'est M. Ebor. Vous savez, quand cette histoire commençait, j'avais vu mon ami Apebon. Et je lui avais posé la question de savoir que disent les saignés du car. Et il m'avait donné sa réponse. Aujourd'hui, je vois quand même que ce qu'il avait dit était vrai. Et la troisième raison, c'est la personne que vous avez à la tête de votre parti, Maître Apebon. Je le connais. Je le connais pour avoir travaillé avec lui au sein de la coalition arc-en-ciel. Vous connaissez la coalition arc-en-ciel? Je sais ce dont il est capable. Je sais ce qu'il peut faire pour ce pays. Je tiens tout simplement à vous féliciter pour cette merveilleuse organisation. Je n'en veux pas pour que toute cette foule qui est ici. Mais il y a une chose que nous ne devons pas perdre de vue, c'est bien de créer un parti politique. C'est bien d'avoir toute cette foule devant soi. Mais il y a quelque chose que nous cherchons dans notre pays, que nous n'avons pas encore eu, c'est l'alternance politique. Est-ce que FDR, je souhaiterais que nous qui étions là avant, c'est vrai que FDR est un parti, est un nouveau parti politique. Mais comme beaucoup l'ont dit, c'est un nouveau ancien parti politique. Donc, je souhaiterais quand même qu'avec la venue de FDR, que nous puissions avoir la solution à ce problème. Si nous qui étions là avant, nous n'avons pas pu le faire, que FDR nous permette d'atteindre.